fois étudiante en médecine en cinquième année ici, et Lucrous pour la VGS au CA. Simplement pour rajouter encore, il y a énormément de choses qui ont été dites aujourd'hui qui sont toutes vraies. Ce restaurant universitaire, il est indispensable pour la vie de ce campus, pour la vie de ce quartier. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un campus où 2000 étudiants sont excentrés à l'heure actuelle par rapport au campus central. On est aussi à l'heure actuelle du coup privé d'un certain nombre de services et il ne faut pas que ça se passe pour la restauration universitaire. Ce restaurant universitaire, il est traditionnel chez les étudiants en médecine. On y mange de la première à la sixième année sans exception. Nous avons encore des étudiants de sixième année qui sont sortis il n'y a même pas deux minutes. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement important. C'est gage, comme on l'a déjà dit, de mixité. C'est le gage aussi d'une restauration équilibrée à tarif social, indispensable pour les étudiants. C'est la mission du Crous. Elle doit la respecter. Si ce rue doit fermer, on exige quand même d'avoir des raisons. À l'heure actuelle, comme ça a été dit, le CA du Crous ne s'est pas positionné en l'absence de documents. C'est donc hyper important pour nous de connaître les raisons qui vont priver 2000 étudiants d'un lieu où ils se rencontrent, où ils mangent équilibré et qui est gage d'une vie pour tout ce quartier. Merci. Oui, bonjour, donc Michael Gutnik, je suis maître de conférence en mathématiques et je suis là pour représenter le CESUP. Donc ouais, on est très attaché à une restauration de qualité pour les étudiants et pour les personnels de l'université. Donc après le restaurant des personnels qui a fermé à l'Esplanade, maintenant c'est le restaurant qui est menacé, qui va être fermé. Et tout ça pour des logiques économiques un peu discutables. Donc on a rencontré le directeur Chazal sur la question du restaurant du personnel. Donc on a bien compris qu'ils veulent faire des restaurations un peu plus élaborées, type brasserie, donc plus chères, donc pas accessibles aux étudiants, pas accessibles au personnel qui ont des salaires un peu moins élevés que les enseignants chercheurs, par exemple. Et du coup, donc on est là, solidaires, pour dénoncer cette politique du Crous à Strasbourg sur la fermeture des restaurants universitaires. Voilà, merci. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose maintenant tout simplement d'aller manger, donc prendre la file et chacun règle son repas, si vous voulez bien. Voilà, repas convivial. Merci à vous.